rien ne soit qu'on s'endort les aromes. On pose les sons du cœur à côté de son béguin. À côté, c'est bien mieux qu'on fasse vivre. Si c'était comme un livre, on pourrait sauter les chapitres, les passages trop douloureux. Mais la vie, la vraie, écrit des mots que l'on n'efface pas. Et non, mais pas de marquer tous les rêves brisés. Et puis tous les faux pas que l'on a déjà fait. Mais tout ça, c'est pas grave. Les fautes d'orthographe s'inscrivent toujours dans les plus beaux des paragraphes. Quand on lit son livre, laissez tourner les pages, laissez la place aux autres d'inscrire un petit mot dans votre ouvrage. Ainsi s'écrivent les plus beaux des livres. Avoir le choix dans l'écriture.